Mesdames, messieurs, pourquoi les Bantous n'y parviennent-ils pas à dégager les dictateurs du bassin du Congo? Mesdames, messieurs, vous savez que quand on parle de bassin du Congo, on pense tout naturellement aux Bantous. C'est les peuples du bassin du Congo. Le bassin le plus riche du continent en termes de biodiversité faunistique et floristique, en termes de minéraux et de terres rares. Nous sommes le premier réseau hydrographique du continent. Donc on avait tout pour réussir. Mais ce milieu est incrusté par des dictateurs les plus liberticides, les plus antidémocratiques, les plus antisociaux et surtout criminogènes existants au monde. Il y a un problème. Alors, mais pourquoi ces peuples du bassin du Congo n'y parviennent-ils pas à dégager ces monstres qui sont là, qui ont brisé des vies, qui ont brisé l'espoir de tous ces peuples-là? Mais ils sont là. Donc, c'est des régimes à caractère d'abord dictatorial, tyrannique, mais aussi d'appropriation ou même de confiscation de biens communs. En réalité, les pays, ces pays, ils sont devenus leurs propriétés privées. C'est jamais vu au monde. Vous avez tout un pays qui devient votre propriété privée, que vous cherchez même à léguer à vos enfants, petits-enfants. Dans les droits constitués, dans les sociétés constituées, on ne peut pas voir ce genre de comportement dans les sociétés constituées. On ne peut l'observer que dans les sociétés qui sont encore au stade de la sélection naturelle. Ça veut dire qu'ils appliquent la loi de la jungle, du plus fort, oui, entre poids et prédateurs, dominés et dominants, oui, on est dans le déterminisme naturel, donc on résiste quelque part à l'idée même de l'évolution. Sinon, ça cesserait. Mesdames, messieurs, je reviens sur les problématiques. Vous savez que nous sommes en présence des dictateurs les plus durs au monde et qui n'ont même pas ni d'âme, ni conscience. Bien sûr, c'est des êtres sans foi ni loi. Et dans ces conditions, on se demande pourquoi ces peuples, s'ils disent qu'ils sont des humains, mais pourquoi n'y parviennent-ils pas à les dégager? La raison est toute simple. La raison est d'abord dans le sang, dans l'ADN, l'ADN, le sang, la génétique de ces peuples. Vous savez que les Bantous, quand on parle de Bantous, on pense tout naturellement au peuple du bassin du Congo. Tapez sur Internet, bassin du Congo, ou les Bantous, vous verrez, vous pourrez nourrir le débat sur les Bantous. Les Bantous, donc, c'est les peuples du bassin du Congo. Et qui aujourd'hui sont tous déclassés, déshumanisés et décivilisés à cause de ces dictateurs et qui sont là. Mais eux, ils ne sont pas capables de s'affranchir de ces dictateurs-là. Mesdames, messieurs, oui, les Bantous. Les Bantous ont des particularités génétiques propres à cette espèce humaine. Vous savez que les Bantous ont des gènes spécifiques ou des caractères spécifiques qui sont dans le sang des Bantous, dans l'ADN des Bantous. Oui. Les particularités de cette génétique, elle est similaire à celle qu'on observe au niveau comportement chez les moutons. En réalité, les Bantous, c'est comme des moutons. À la différence des peuples de loups, de buffles, de lions, etc., les Bantous sont des peuples de moutons. Des peuples de moutons. Oui. Vous savez que les peuples de moutons engendrent toujours des pouvoirs de loups, disait déjà Agatha Christie. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'un peuple de moutons? Un peuple de moutons est plus ou moins intelligent. Deux, il est peu structuré. 3.
il est moins organisé. Et 4, il n'est pas courageux. Eh bien oui, ils ne sont pas courageux. Ils ne connaissent pas le sens du sacrifice. Au moment où les dictateurs sont en train de noyer leur pays, de briser leur vie, et des êtres mortels qui vont partir à un moment donné. Mais eux, ils sont là, officiers, du soldat jusqu'au grade d'officiers généraux, en passant par les cadres intellectuels, ceux qui ont au moins la matière grise, ne peuvent même pas suturer, ni organiser, et voir manager la contestation en vue de mettre ces messieurs-là hors d'état de nuire, parce que ces messieurs tuent, ils tuent, ils massacrent, ils violent, ils autres. Mais ils sont là, on t'aide de le constater. Comme si c'est très difficile d'aller les mettre hors d'état d'unis. Même Hitler qui était hyper protégé, mais il y a eu une bombe qui était mise, mais il a eu la chance. Mais je peux vous dire que, tout justement, sur ces problématiques de ces dictateurs que nous parlons, oui, les Bantous sont moins intelligents, sinon ça se saurait. Les Bantous sont peu suturés, moins organisés et pire encore, ne sont pas courageux. C'est des lâches, c'est des peureux. Oui, c'est des lâches, c'est des peureux. Oui. Parce que quand vous avez ces peuples, à ce moment, vous pouvez tout faire avec ces peuples-là. Regardez à la différence des peuples de loups ou même de buffles. Quand ils sont les buffles, quand ils sont présents, par exemple, des lions, ils sont attaqués, mais souvent ils viennent charger, il y a la casse des deux côtés. Ça ne laisse pas. C'est ça qu'on appelle le peuple de buffles ou il y a des peuples de buffles ou de lions ou autres. On connaît. Regardez les actions directes ou les brigades rouges ici en Occident, quand il y avait ces problématiques de ces années-là. On a organisé à chaque fois qu'il y a des problématiques ici en Occident, où c'est les Blancs, comme on le dit, ils ont toujours suturé, organisé et mis hors d'état de nuire l'individu cible. Et on a parlé en Asie, n'oublions pas le monde arabe, il y a eu des morts, des prises de morts. Donc quand on ne respecte pas qu'on n'a pas le sens de l'honneur, on est dans la honte, le ridicule. Et en plus, on massacre, on fait. Et il est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mesdames, messieurs, vous savez qu'au Congo, il y a une expression qui dit « Tika, tika, tika papa, tika, tika maman, tika ». Tika, ça veut dire « laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber ». Donc, à force de répéter « laisse tomber », ça désactive l'expression de certains gènes. Vous avez vu, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple de la désactivation des gènes qu'on peut aussi activer. Quand il y a eu l'esclavage, on avait amené beaucoup de Noirs aux États-Unis. Et quand ils sont arrivés là-bas, les premiers arrivés aux États-Unis, on leur donnait du lait, des vaches. On a vu que ceux qui venaient des régions où il y avait que la chasse et la quête, comme les bassins du Congo, ils avaient tous la diarrhée. Et pourquoi? Parce qu'ils ne synthétisaient pas de lactase. Et donc, il faut de répéter, répéter. Bon, après, ils ont activé la fabrication des lactases. Et ce qui fait que depuis ces années-là, et les Américains, les Noirs américains venus de ces régions peuvent fabriquer, synthétiser des lactases. Et aujourd'hui, quand vous allez à certains endroits en Afrique, comme au bassin du Congo, comme ils n'ont pas de lait, ils ne boivent pas le lait régulièrement, le vrai lait, mais on est obligé de faire des laits en poudre parce que souvent il y a des problèmes de diarrhée. C'est toujours le problème de lactase. Donc, l'expression des gènes doit être activée, mais nous, on les désactive. Laisse tomber, laisse tomber. Vous voyez, un militaire est devenu comme, oui, on appelle ça les armées du salut. Il ne peut même pas prendre les responsabilités. Je vous rappelle que le peuple de moutons, c'est des peuples moins intelligents, plus ou moins intelligents. Je parle en proportion, ce n'est pas tous comme ça, mais je disais que proportion, rapport, densité, nous serons autour de 80%, 80-90% de ces caractéristiques-là. Il ne reste que 10% des courageux. Je fais partie des courageux. Donc, c'est une expression génétique. Bon, donc, les moutons, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu suturés, moins organisés, pas courageux, et ce n'est pas tout. Je vous ai dit que ce sont aussi des lâches, des peureux, et voilà.
Donc, c'est des juseurs. Donc, ils sont aussi des lâches, hein, fichés comme des lâches, des peureux et des juseurs. Et donc, vous avez tout ça dans, avec un peuple et dans un bassin qui est le plus riche. Et donc, on peut mettre des loups en face de ce peuple. C'est fini, hein. C'est des dictateurs liberticides, antisociaux, criminogènes et autres, assurés. Mesdames, messieurs, les dictateurs du bassin du Congo, ils sont là. Eh oui, parce qu'ils ont du pain béni, parce qu'avec ce peuple, oui, si c'était ce peuple, ces dictateurs étaient en présence des peuples de loups, de lions ou autres, comme on voit ici en Occident, dans le monde arabe et ailleurs. Mais non, ils seraient déjà mis en. Mais ce serait du caviar pour les mettre hors d'état de nuit. Mesdames, messieurs, comment allons-nous mettre ensemble les solutions pour faire dégager ces monstres-là? Bon, ben, il faut déjà dire qu'ils ont brisé des vies. Ils ont brisé l'espoir de ces peuples. Ils continuent à massacrer. Et au niveau, la responsabilité est d'abord civile et militaire. Parce qu'au niveau déjà des politiques, ils ont échoué. Les politiques dans les bassins ou dans ces pays, ils ont complètement échoué. Ils deviennent des accompagnateurs, des auxiliaires. Ils font le jeu de la tyrannie. Donc, ils entretiennent le système. Ils sont des lâches. Donc la solution est au niveau civil et militaire. Donc l'enjeu d'informer. Civil, et regardez qu'en Europe, il y a eu des actions. Il faut déjà s'affranchir déjà de cette classe politique qui vous endorme. Ne parlez pas leur discours, leur... Non. Quand vous êtes dans un pays occupé, votre but est d'abord de sauver les vies, puis récupérer votre pays. Mais si vous êtes dans un pays occupé par ces monstres, ça ne sert à rien de penser à la politique, à l'opposition. Non, on ne fait pas la politique dans un pays occupé. Donc, on ne peut que faire la politique là où, dans un pays où vous êtes libre. Donc, le premier devoir, d'abord, vous informer, comme je vous informe, que la responsabilité, elle est civile et militaire. Elle n'est pas politique. Les militaires qui peuvent structurer, organiser et manager la fin de chaque régime, parce qu'après, quand il y aura un qui doit tomber, et avec l'esprit de la culture globale et de la volonté générale de ces peuples de Bantou, et qui veut s'affranchir de ces dictateurs, pour avoir un effet d'entraînement, pour que les uns et les autres vont tomber comme des quilles. Parce qu'il y a un qui, quand il y aura la démocratie quelque part, et les autres vont se préparer comme si c'est obligatoire de préparer pour dégager ces dictateurs-là. Parce qu'ils se sont enracinés. Ils ont des racines profondes. Donc, il faut déraciner ça. Donc, pour ça, la solution est d'abord militaire ou civile. Prendre votre responsabilité. Regardez les jaguars. J'ai vu un jaguar attaquer un caïman sur les plages d'une rivière en Amazonie. Mais dans un seul angle mort, il est venu comme ça. Dans un angle mort, derrière. Boum, il a attrapé le caïman. Mais nous avions plusieurs angles morts pour mettre hors d'état de nuit, c'est mauvais. Trop mauvais pour être utile à l'intérêt général. Trop mauvais pour être utile aux libertés fondamentales et au but même de la condition humaine de ces peuples et voire existentielle, c'est-à-dire écologique et compagnie. Mais non, on ne peut pas laisser quelqu'un qui est mortel comme nous et détruire les uns des autres. Et vous êtes là en train de s'indigner, dire tika tika, laisse tomber. Et vous êtes en train de faire. Ils ont même pris ces pays, c'est leur propriété privée. Ils se soignent, ils se nourrissent, ils se font tout avec le bien commun. C'est immoral. Et compagnie, ici, ailleurs, non, on met tous les moyens pour qu'ils soient dégagés. Parce qu'il y a un qui dégage de manière brutale. Il y a peut-être un autre, comme chez nous, dans notre région, quand il y a un dictateur qui s'en va, il y a un autre qui arrive. Mais s'il y a un autre qui arrive, il se retrouve dans la même situation que celui qui est parti dans les conditions, on ne sait pas. Mais à un moment donné, ils vont s'arrêter. Mais si vous laissez faire, et ceux qui vont venir, c'est pourquoi nous avions la récurrence des dictateurs là. Ça va et ça revient. Parce que dire oui, avec ce peuple de moutons, j'attends mon tour. Parce que je veux faire. Mais quand ça devient dangereux, ça devient difficile pour eux. Et à ce moment-là, ils ne vont plus tenter, c'est sûr, parce qu'ils risquent leur vie. Parce que d'abord, ils sont aussi eux-mêmes des moutons. Et parce qu'ils deviennent des loups, parce qu'ils défendent des ordres. Et des ordres des donneurs d'ordres, c'est leurs employés, et qui sont des multinationales, des puissances économiques. Mais en réalité, c'est eux-mêmes, sont des moutons aussi. Ils ne sont pas capables de s'affranchir de leurs donneurs d'ordre. Qui, par exemple, le cas de Sassou Nguesso et d'Ali Bongo, tout simplement, c'est la France-Afrique. Donc eux-mêmes, ils sont des esclaves.
et heureux, oui, des esclaves heureux, des imbéciles heureux, des moutons. Puisque vous dites, on laisse gouverner par les moutons, ils ont l'air d'être des loups, mais en réalité, ils ne sont pas des loups. Ils ont peur aussi, eux. Mesdames, messieurs, donc nous devons sauver d'abord nos vies, puis récupérer nos pays et les repenser. Cela ne peut que commencer par agiter nos neurones, allumer notre cerveau, structurer, manager et organiser. Parce qu'on dit qu'il n'y a qu'une seule vie, elle est unique et elle est là. Donc, qu'un individu mortel comme nous ne va pas détruire toutes ses vies. Regardez les capitales d'essai déjà de ces deux dictateurs-là, Joseph Kabila et Sassou Nguesso. C'est des millions et des millions de morts. Un seul individu va tuer les parents autres, sans oublier que certains sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Il y a des apatrides, il y a tout ça, mais pourquoi sous cet acharnement contre ses semblables et contre leur propre continent? Donc nous, par conséquent, nous devons mettre des solutions pour dégager ces mauvais. Parce qu'ils nuisent non seulement aux problématiques existentielles de leur peuple, de leurs semblables, mais aussi les problématiques d'image, de la respectabilité interraciale. Parce que nous, ici, en Occident, tu peux être riche, intelligent, et tout compagnie, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout au terme des libertés fondamentales et du but même de la condition humaine et voie existentielle, nous ne serons jamais respectés. Donc, le socle est là. Le socle de l'homme noir, c'est d'abord l'Afrique. Quand l'Afrique sera debout, et à ce moment, nous serons respectés comme les Blancs qui passent partout dans le monde. Ils ont les passeports universels parce que l'Europe, l'Occident est debout. L'Asie commence déjà à rentrer là. Mais il nous reste l'Afrique. Mais pourquoi maintenir ces gens? Donc mettez-les hors d'état de nuire. Civils et militaires, la responsabilité est là. Ne comptez pas sur les hommes politiques. Les politiques ont échoué partout dans le monde. Donc comptez sur vous en tant qu'individu civil et aussi militaire, parce qu'un militaire a aussi des responsabilités. Non seulement les responsabilités, il y a des fondamentaux des armées. Défendre le peuple, quel que soit le régime, et surtout quand les intérêts de votre peuple sont en danger. Et aussi défendre les territoires et compagnie. Mais là, on est là dans la signification de cet esprit-là. Donc, mettez vos moyens, allumez votre cerveau pour les faire partir. Sinon, on va se retrouver toujours dans la récurrence des dialogues en dialogue pour qu'ils changent de constitution et restent là. Ou des ticheries électorales en ticheries électorales et que des cycles infernales entre élections, ticheries, contestations, manifestations, violences, barbarie et dialogue et ça recommence. Et non, c'est pas ça, les sociétés constituées. Donc nous devons rentrer dans l'histoire humaine et de la civilisation. Donc par conséquent, on doit commencer déjà par ce socle du bassin du Congo qui est le plus riche du continent. Et qui, si on peut avoir des régimes plus ou moins consensuels, mais pourvu qu'ils respectent quand même les intérêts de leur peuple et qu'ils respectent quand même les fondamentaux des règles communes, comme on dit institutions, constitutions et autres, on ne doit pas les raisonner comme des animaux. Ils sont des humains. À un moment donné, on a travaillé pendant des mandats ou autres. On laisse tomber, on y va. Mais donc, qui ça devient comme ça? On ne peut pas les raisonner parce que si vous êtes humain, vous n'allez pas parler à ces animaux. Sinon, ça se saurait. Ils auraient pris leurs responsabilités. Donc, nous sommes là en train de subir parce que quelque part, nous sommes le peuple des moutons. Donc, nous devons individuellement et collectivement activer l'expression de certains gènes. Et comme j'ai vu pour les cas des lactoses et des lactases, et qu'ils ont activé, et aujourd'hui les Noirs partout peuvent boire du lait, ceux qui ne pouvaient même pas du lait. Donc le courage peut être aussi une activation de l'expression de certains gènes. Donc nous devons activer ces gènes-là pour que nous prenions notre responsabilité du courage. Les Congolais ou tous ces autres doivent se sacrifier pour faire partie de ces gens-là. Le sacrifice n'est pas que faire une insurrection populaire, ça ne sert à rien, il faut une insurrection populaire accompagnée d'une désobéissance militaire. Mais s'il n'y a pas ça, il y a un truc tout simple, désobéissance civile, totale. Les villes mortes, on ne peut pas, il n'y a plus rien, ils bougent au pays. Et ils vont avoir, à un moment donné, la communauté internationale va les dire oui. Et c'est courage de suturer, d'organiser ça. C'est les moutons, non. Organiser la désobéissance civile, villes mortes partout. Pendant une semaine, deux semaines, et à un moment donné, il n'y a plus de transport, même l'aéroport, les aéroports ne marchent plus, les ports maritimes ne marchent plus, et tout ce qui est en rapport avec l'international ne marche plus, même les communications et autres. Vous faites la désobéissance civile. À un moment donné, on va dire qu'est-ce qui arrive et on va vous céder. On va dire, oui, bah, écoutez, monsieur, vous vous partez. Il va arriver dans une période de rupture où le monsieur sera en rapport de faiblesse, vous en rapport de force, parce que vous êtes le peuple. Vous n'avez pas perdu, c'est eux qui ont tout à perdre. C'est eux qui ont tout à perdre.
Nous, vous, le peuple, vous avez tout perdu. Donc, prenez le risque de défendre vos vies et récupérer votre pays. Tant qu'à faire. Je vous remercie.